Bonjour à tous et bienvenue sur Tourne un Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du numéro 47 de la collection Altaïa, construisez la célèbre K2000. Alors présentation de ce numéro 47. Alors le retour de Goliath, épisode 18 de la saison 2. La série, la liste des chansons, les fonctions de kit, les temps forts de l'épisode, donc les pièces que nous avons dans ce numéro, le guide de montage, et pour finir, archives secrètes, Gart Knight, deuxième partie. Alors, présentation des pièces. Dans ce numéro, nous avons le panneau d'instrumentation. Donc, pièce en plastique. Ensuite, nous avons des vis GP, des vis AP, une bande adhésive et pour finir la pièce du commutateur de la pédale de frein. Allez, on passe au montage. Donc première étape, on doit débrancher le câble D avec donc le petit poussoir pour faire la pédale de frein. On a besoin de cette pièce. Donc le but c'est de réussir à bloquer le bouton poussoir comme ceci dedans. Ensuite, on prend cette pièce-ci et donc il faut réussir à emboîter ça ici, donc cette partie-là. Donc ça doit venir s'emboîter comme ceci, alors ça va pas être facile. Voilà. On fait comme ceci, voilà. Une étape pas facile facile hein. Alors, désolé, ça, je vais peut-être dans l'autre sens. Ce sera peut-être plus facile. Voilà, et une fois qu'on est arrivé là par le haut, donc par ici, on va mettre une vis AP. Donc voilà le résultat que ça donne. Et on passe à la suite. Alors, étape suivante, on va avoir besoin de notre tableau de bord et on va installer donc toutes les LED pour qu'il soit tout éclairé. Alors, on va commencer par retirer donc on va retirer cette partie-là. Alors, c'est parti. Voilà qui est fait, donc on va les mettre là. Hop. Donc on va se positionner comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc on va commencer donc par cette lettre-ci. Et donc c'est la lettre G.
et juste à côté on a deux emplacements qui vont suivre, donc ici et ici, et c'est la lettre H. Allez, c'est parti. Donc voilà qui est fait. Donc ensuite, d'après ce qu'ils mettent, donc ce trou ici et ici, on va avoir besoin de la lettre L. Et donc pour le synthétiseur de voix et celui qui est juste ici, c'est la lettre O. Donc c'est parti. Donc ça, c'est le L. Devenir comme ceci. Donc comme j'arrivais pas à passer une des deux LED, j'ai préféré démonter le boîtier. Donc je le remets et on se retrouve juste après. Donc le câble haut va venir ici et ici. Voilà qui est fait. Ensuite, on va prendre le câble identifié, donc J. On a trois LED. Et on va commencer par récupérer donc le boîtier qu'on a enlevé au tout début. Et on va commencer donc par en mettre deux. Voilà qui est fait. Il n'y a plus qu'à remettre en place. Voilà qui est fait. Donc pour pouvoir mettre la dernière, j'ai démonté donc toute cette partie là. Donc c'est pour ce compartiment-ci. Donc on va en profiter. Je vais relier tout de suite. Voilà qui est fait. Et donc il ne reste plus qu'à tout remonter. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fini pour le tableau de bord. Donc, étape suivante, on va récupérer le support de panneau de commande, donc tous les boutons avec tous les gadgets de kit. Ça va aussi être éclairé. Donc, on va positionner nos LED comme ceci. On va mettre la deuxième. Comme ceci, c'est pas facile. Voilà. Et maintenant, il faut réussir à passer le câble pour être sûr qu'il ne soit pas abîmé quand on va remettre les vis. Bon, après plusieurs essais, j'ai à peu près placé les câbles comme il faut. Donc une fois qu'on en est là, on repositionne pour tout maintenir et on refait. Donc on remet les deux vis qu'on a enlevées tout à l'heure. Et voilà qui est fait. Donc voilà, tout a été réinstallé. Et ben place au test. Bon bah, ça rend plutôt pas mal. C'était pas la partie la plus facile, mais quand on voit le résultat final,
c'est quand même bien sympathique. Et voilà qui conclut ce numéro 47 et donc le 11e colis. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 47. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis pour ma part à très bientôt pour la suite de cette collection de chez Altaïa. Construisez la mythique K2000. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !